Arrange un peu, non? Ouais, avant de passer à la télé, quand même, il faut quand même souvent faire le. Faut souvent arranger. Donc, bonjour à la team, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Bonjour à la team Pélégiste. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, j'ai lancé le direct. C'est vrai, j'ai pas prévu. Vous manquez, hein? Vous manquez beaucoup. Vous manquez beaucoup, beaucoup. Radiane Mélanie, édition Fleur des Lilas. London. Avant de parler de Radia Mélanine, je vais. Est-ce que je change de position? La position, elle est bonne, non? La position, elle est bonne, non? Je suis bien positionnée, hein? Bon, on dirait que ma frange n'est pas bien ou quoi? Moi, ouais, ça va, hein? Un instant, hein, pardon. Un instant. J'étais. Un instant, pardon. Un instant. Ne quittez pas. Hein. Je suis avec vous, non. Votre reine, mais. La mafo. J'étais bien habillée en sport. J'étais bien habillée en sport. Pour aller chez Jaguar le 22. Donc, le via solo. Le 22 avril, ça a tué vous. Attendez, qu'est-ce que j'allais faire? Je fais mon petit, lance mon petit café parce que bientôt, Dieu éternel va arriver là. Je lance mon petit café du matin. Ndombolo ya solo. Le 22, on va danser chez Jaguada. Je mets un peu la chanson de la team pédégiste. Attendez, je mets un peu. On met la chanson de la team pédégiste. Parce que même quand on est combien la crise, la team pédégiste en crise. Je fais cette vidéo pour ça, parce que la team est là en crise. Je mets d'abord une petite chanson de la team en attendant que mon frère arrive. Attendez, je cherche le morceau de la team. Jaguar, le goût de chat. Mais il est réchauffé. La PDG canadienne.
Voilà, je ne peux pas commencer sans parler de Radiant Mélanine. C'est l'édition Radiant Mélanine Biflore de Lille. La gamme de produits, l'air de beauté Flore de Lille, la gamme de luxe. Deux produits, caramel et métissé. Merci pour tous ceux qui font des commandes sur le net. Merci pour ceux qui vont commander chez les revendeurs. Merci pour ceux qui vont commander chez LBS Cosmétiques. À Lyon, chez Tania Lee, aux États-Unis, à Washington, au Canada. Voilà, c'est ça. Voilà, merci, une gamme de luxe. Waouh, c'est bizarre, j'ai chaud, hein. Seulement une petite danse comme ça, j'ai déjà chaud. Comment ça? Voilà, on va ranger après. Vous savez que, normalement, je ne dois même plus laisser dans la salle de bain. Parce qu'il faut tout le temps ranger. Voilà, je vous manque ou pas? Voilà. Oh my God. J'espère que je vous manque. Attendez, je prends un peu de souffle. Pardon. Je prends un verre d'eau. Parce que le matin, c'est pas la peine. Hein. On ne boit pas la bière le matin. Ouf, je prends un petit verre d'eau. Pardon, excusez-moi. Comme j'ai dansé là. Moi qui ne bois jamais l'eau, je suis obligée de boire de l'eau là. Merci. Ah, mes lunettes sont durées. Maman, depuis ma première vidéo chez le Waman, il y a... Oh, les bonnes choses, c'est bien. Hein? Quand tu as les bonnes choses, c'est bien. Parce que ça fait longtemps. Hein? Ces lunettes, vous reconnaissez ça, non? Depuis chez le Warman, depuis ma première vidéo, non, ma deuxième vidéo, jusqu'aujourd'hui, ma frange, elle est bien positionnée. Waouh, c'est chaud. C'est un peu chaud. Il faut que j'achète mes lentilles pour demain.
J'approche un peu pour vous lire aussi en même temps. Voilà. Si on se voit, c'est bien. Voilà. Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, je sais qu'il est quelle heure là, c'est le matin, je n'ai pas prévu, bah, je me suis dit, regardez pas mes ongles, je vais les faire tout à l'heure. Vous me manquez énormément, voilà, bonjour à mes fans du monde entier, bonjour à tous ceux qui me suivent sur YouTube et sur Facebook. Bientôt je serai sur Snapchat. Bientôt je serai sur Snapchat et Snapchat c'est pas l'autre qu'on marche, on fait les directs debout debout là. C'est ça non? C'est qu'il y a les jeunes là. Les debout debout comme ça, on marche comme ça, on filme. Pour les petits, pour les jeunes là, c'est ça qu'on appelle Snapchat non? Ah, moi je vais être sur ça oh, bientôt. J'attends quand Choupi va me montrer comment on fait. Je vais être sauf que sur le tout. Sur le tout. Je serai là, sur le tout. On dit qu'il y a l'autre que la vidéo, ça finit le même jour, non. C'est ça qu'on appelle Snapchat, non. Là où les gens s'amouragent, là. Où il y avait Sili qui l'a. Avec Sanga. C'est ça, non. Oui, je vais aussi être sur ça, oh. J'attends que Choupi me montre. Il va me montrer. Mais il a dit que non, maman, laisse comme ça, là. Ouais, tu peux pas faire quoi sur ça. Il a dit que maman laisse là l'autre là non, c'est pas de ton âge. Il dit que et puis il y a aussi les mères sur ça non. À Snapchat il y a les mères. Que la Côte d'Ivoire mais à Snapchat il y a les mères là-bas, les grands-mères. Snapchat c'est d'où? Maman je vais aller là-bas oh. Ouloulouloulou, maman, je vais à la Snapchat. Maman, je vais être sur le tout. Partout, c'est doux, faut me dire. Je vais aussi me mettre là-bas. Si je ne vais pas là-bas, j'aurai les fans. Non, vous allez toujours me suivre là-bas, non. Voilà. Je voulais détendre l'atmosphère, mais je ne suis pas du tout contente. Bonjour à la team. Je pense que je vais faire un direct demain sur la PDG officielle, peut-être ou bien sur YouTube, d'accord? Mon communicateur va vous annoncer le direct une heure à l'avance. Voilà, moi je viens faire cette vidéo parce que voilà, ça fait quelques jours que je n'ai pas... Vous savez que je n'ai plus de compte Facebook pour le moment, donc du coup je ne regarde pas. Je n'ai même pas le faux profil. Pour regarder en fait, donc du coup comme je n'ai pas de compte, je ne connais pas ce qui se passe sur la toile, sauf quand hier mon frère était là, j'ai pris son compte du éternel et j'ai un peu essayé de voir, de faire le tour. Depuis que les produits sont sortis, moi je suis très occupée, je n'ai même pas le temps du tout, je n'ai même pas du tout le temps et voilà quoi, je n'ai pas du tout le temps. Hier je me suis garée à Strasbourg Saint-Denis. Je voudrais aller dans un salon de coiffure. Après, je me suis retournée. J'ai vu que la fourrière avait pris la voiture. Vous pouvez imaginer un peu. Donc, du coup, j'ai passé une mauvaise journée. Hein. Franchement, c'est maintenant je vais retirer la voiture. Parce que, au fait, vous savez, les Africains, comment ils sont. Je m'étais garée sur une place de livraison. Je me suis dit, ouais, comme il n'y a personne, je me gare ici. Je vais au salon de coiffure, je voulais aller me faire les ongles, bien sûr. Et que je n'ai même pas pu faire, parce que quand j'ai retrouvé le salon pour les ongles, après, quand je me suis retournée, j'avais oublié un truc dans la voiture. Bah, quand je reviens vers la voiture, je retourne, bah, écoutez, ma voiture, elle est très voyante, je regarde, je vois qu'on a pris la voiture. Voyez ça, wesh. J'ai dit, mais attends, les bougnoules, ils m'ont pris ma bagnole. Ils m'ont pris ma bagnole à moins de quelques minutes. J'ai peut-être fait 15 minutes. Ah, je me retourne, 15 minutes, j'ai papoté. Et comme les fans, ils sont tout le temps en train de me retarder. Disons, ouais,
Fleur de Lys, la Reine-Mère, je veux faire des photos. Bah, je suis entrée dans un salon. Je voulais juste prendre rendez-vous, d'accord? Bah, je suis d'abord passée chez maman tété, elle m'a donné des champagnes. Voilà, je passais, la meuf, elle m'a appelée, elle m'a dit la Reine-Mère, je te y a moi et tout, wesh. Et puis, je m'étais d'abord garée devant une église et tout, wesh. Après, je suis reparti pour la bougnole, la bagnole devant l'église. Ouais, je suis passé devant chez maman tété à la rue Saint-Martin, boulevard Saint-Martin, 1 rue boulevard Saint-Martin. Elle vend des sacs de marque d'occasion. Les chaussures, ouais, elle m'a interprété. Elle a dit, wesh, ma fille, wesh, tu passes comme ça, tu t'arrêtes pas devant chez ta mère, wesh. J'ai dit, hé, maman, je voulais passer avant de revenir. Elle a dit, wesh, non, tu viens ici dans mon magasin d'abord, tu es ma fille, tu passes pas comme ça, wesh. Ça fait longtemps que je te cherche, je te vois pas, wesh. Tu es où là depuis? Bah, j'ai dit, ouais, maman, j'arrive là, je cherche un truc là, j'ai envie de me faire un traitement de cheveux, j'ai envie d'aller chercher un truc, j'ai pris rendez-vous à Nissenga, elle m'a donné un salon, une esthéticienne, j'avais envie de me faire un peu le soin de visage et tout, wesh. Ben, wesh, quand je retourne le salon, wesh, je vois qu'il y avait encore peut-être 3 minutes en voiture. J'ai dit, ouais, 3 minutes en voiture, c'est quand même un petit peu loin. Les Africains, ils n'aiment pas trop marcher, wesh. C'est comme ça, wesh, je suis reparti devant l'église, wesh, j'ai repris la voiture, wesh. Quand je suis arrivé, ben oui, je me suis arrêté devant le magasin de maman tété, ouais. Et ben, écoute, elle m'a mis des champagnes dans la voiture, wesh. Elle m'a mis beaucoup de champagne. Ben, wesh, ben, j'ai continué, wesh. J'ai continué, wesh. J'ai continué, j'ai pris des champagnes, wesh. J'ai mis dans la voiture, wesh. J'ai parti. Mais à Snapchat, il y a wesh, non. Mais maintenant, être jeune. Waouh, mais attendez, je suis jeune fille, wesh. Je suis jeune, wesh. Dans ce comme ça, wesh, j'ai pris le truc, j'ai mis dans la bagnole, wesh. Je suis allée devant le salon pour faire mon soin, wesh. Oui, allô? Oui, bonjour. Ouais, c'est que je vais bien, ma personne. Et toi? Ma personne, trop de stress, trop de... Ouais, trop, je te jure. Trop de stress, trop de boulot. Et toi, tu... Ouais, ça va, ça va. Ça va aller, hein. Ça va aller, mon frère. On se... Ouais. Il faut que je te baisse parce que j'étais en direct sur YouTube là. Tu sais comment? Ouais, tu vois? Ouais, wesh. Ouais, je te rappelle, wesh. Je te rappelle, wesh. Ouais. Ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah, j'étais, c'est Papy de Longchamp. Ah ouais. C'est Papy le balançoire japonais. Ah ouais. Donc, comme je vous racontais l'histoire, ouais. Ah ouais. C'est comme ça, ouais. Je vais là-bas, ouais. Je prends le truc, ah ouais. J'entre dans le salon, ah ouais. Quand je reçois, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je prends le truc, ah ouais. J'entre, ah ouais. Ah ouais. Je regarde ma bagnole, ah ouais. Je trouve que quoi? La fourrière. Comme c'est Paris 3e, la fourrière, ils ont pris ma voiture, wesh. Oh là 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 là, franchement, je pouvais péter les plombs, j'ai pété un câble, ouais. J'ai pété un câble, j'ai dit, mon Dieu, quelle idée! Comment j'ai pu aller là-bas à Strasbourg-Saint-Denis en voiture? J'aurais pu garer ailleurs. Oh my God! Je vous assure, j'étais, franchement, j'étais sur les nerfs. Sur les nerfs. Et entre-temps, ils m'ont dit, ouais, tu vas donner 208 euros pour récupérer la voiture. T'as vu? Oh my God. J'ai pété les plombs. Entre-temps, tu sais quoi, ouais. Il manquait quoi? Il manquait 20 euros. J'avais 100 quelque chose. J'avais pas prévu. J'avais 200 euros. Il manquait 8 euros pour retirer ma voiture. 8 euros. Ils ont refusé de me remettre la voiture. Ils ont dit, bah, écoutez, on ne peut pas vous remettre la voiture. Ils m'ont dit, tu donnes ton permis, tu donnes le nonni, tu donnes ta pièce d'identité, ouais, tu donnes l'assurance.
Attends, je l'ai dit, ouais, tout est dans la voiture. Je marche pas avec. J'ai dit, attends, je marche pas avec ça, tout est dans la voiture. Attends, moi je suis une blague, hein. Moi j'utilise beaucoup les liquides, j'utilise pas trop la carte, j'utilise la carte pour certaines choses, mais moi j'utilise beaucoup l'espèce. Bah écoute, moi je vais d'en bas, je lui ai dit, attendez, je vais dans quand même aller dans ma voiture, on est bien d'accord. Je dis, bah attendez, j'ai les clés, j'ai des trucs dans la voiture, il y a des papiers. Ouais, donne ton truc, donne ton passeport, tu donnes la catégorie, tu donnes les papiers de voiture. Je lui ai dit, mais attendez, les papiers de la voiture, ils sont dans le truc. Les papiers de la voiture sont dans la voiture. Je vais dire, ouais, bah écoute, va chercher les papiers dans la voiture. Ils ont ouvert, bah, je suis allé dans la voiture. Comme j'avais des trucs dans la voiture, je savais très bien que j'allais pas récupérer la voiture. Je pris ce qui m'intéressait, ouais, j'ai pris des trucs, j'ai pris des trucs intéressants. J'ai pris une bouteille de champi, j'ai pris, j'avais un peu mon truc que j'avais mis dans la bagnole. Bah, j'ai récupéré. J'ai dit, bah écoutez, demain, je passe et tout, hein. Ben là, j'attends Dieu éternel, mon frangin, j'attends mon frangin. J'attends mon frangin. Il m'accompagne, mon frangin. Je vais récupérer la bagnole. Et puis jamais, j'irai encore là-bas, machin, à Strasbourg-Saint-Denis, avec la bagnole. Ouais, ah non, je ferai plus cette erreur-là, t'as vu ça? Moi, j'ai dit, c'est mon frangin, mon frangin. Ouais. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Hein, quand t'es ici, que t'es jeune, voilà, c'est les trucs des jeunes. Mais moi, je mange pas le kebab, je mange pas les trucs du kebab. Hein. Moi, je suis jeune, hein, mais je mange pas le kebab avec les Grecs. Je mange pas ça, hein, moi. J'aime pas. De temps en temps, vite fait, hein, vite fait comme ça. Mais moi, je suis plus, voilà, quoi. Je suis plus KFC. Mange plus le kifi, quoi, les ailes de poulet, kifi, ben après de temps en temps, tu vois. Tu vois, frangin? Bon, c'est bien de détendre l'atmosphère avant de commencer sa journée, c'est très bien. Voilà, moi je fais ce direct, d'ailleurs je suis venue là faire le direct parce qu'il y a le désordre dans la team. Et je voudrais dire qu'il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête le désordre dans la team. Pourquoi? Parce que quand on est un groupe, on essaie de comprendre chacun. On ne peut pas tous être pareils. Chacun est différent. Vous êtes toutes différentes. Chaque personne qui vient me suivre où vous êtes aujourd'hui, vous êtes des fans. Il y a certains qui étaient des détracteurs, qui sont des fans aujourd'hui. Il y a des personnes qui étaient des fans, qui sont devenues mes détracteurs, surtout mes amis réels, des personnes que je connaissais dans la vie réelle. Certaines personnes, ils se sont joués aux détracteurs pour chercher à me descendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand tu es ami à quelqu'un, on va dire, quand tu es ami à quelqu'un dans la vie, si tu es ami à Fleur de Lille, on est des amis, tu comprends? Tu comprends, cousine? Tu comprends, cousine? Si tu es mon ami, d'accord? Bah demain, tu vois, je m'entends plus avec quelqu'un, tu vas te rallier à la personne, ça veut dire que tu me combats. Donc, vous avez vu, la majorité des personnes que j'ai ramenées sur la toile, que j'ai commencé à parler de sur la toile, sont devenues mes détracteurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont joints à mes détracteurs pour me combattre, ce qui n'est pas loyal. Parce que je suis loyal en amitié. Vous avez vu, la majorité des personnes. Je ne dis pas, je ne suis pas clean, hein. Je ne suis pas clean, je ne suis pas parfaite. Mais la majorité des personnes que j'ai ramenées sur Facebook, ils sont cherchés la notoriété. Après, ils se sont retournés contre moi. Mais attends, le bon Dieu, il n'accepte pas ça. Hein. Ça, c'est la trahison. Et tous les jours, on voit des trahisons. La vie est ainsi faite. Tant qu'on vit, on ne peut pas dire qu'on avait à tout vu. Hein? Donc, la majorité des personnes qui sont venues sur la toile, que j'ai ramenées, que j'ai commencé à faire la talakou. Datalakou depuis des années, personne ne les connaissait. Personne ne les connaissait. Ils étaient incognito. Moi, j'ai ramené sur la toile à parler tout le temps. Ouais, Fleur de Lys, je commence à parler. Ouais, voilà, tel secute, mon papounet, ma mamounette, ma copine, ma meilleure amie, les nanani, nanana. 2018, ils m'ont montré, tout le monde a vu. Et bah les Congos, ça du téléphone, et bah ceux qui cherchent qu'on me classe dans le barbag, ouais, ils vont là-bas, ouais, il faut insulter Fleur de Lys, fait ceci. Mais si tu les demandes, mais qu'est-ce que elle vous doit, cette fille? Personne ne vous dira quelque chose. D'accord? Ben, ces personnes, mais attendez, je suis pas clean, mais j'ai rien fait, moi, que des hypocrites. Vous avez vu les Africains, comment ils sont? Ils attendent.
la sortie de mon produit. Vous vous rendez compte? Ils attendent la sortie de mon produit pour me signaler. Mais attends, comment voulez-vous que l'Afrique avance? Mais je ne peux pas m'éterniser dans le clash. Parce que c'est terminé, je dis, le clash c'est fini. Rien à foutre de ce que les gens, chacun vient, wesh, pour chercher le nom, wesh, ils parlent de Fleur de Lys. Ouais, Fleur de Lys, elle est montée, Fleur de Lys, elle est descendue, Fleur de Lys, nanani, Fleur de Lys, nanana. Mais j'en ai ras-le-bol. Mais à un moment donné, vous ne vous fatiguez pas. Mais collez-moi la paix, j'ai dit. Écoutez, dans la vie, hein, quand ça ne va pas, l'amitié, ben, on se sépare tranquillement. Si tu es avec quelqu'un qui ne t'apporte rien, qui t'apporte que des problèmes, mais tu te sépares tranquillement, à quoi, pourquoi se tirailler? Mais ça ne sert à rien. Comportons-nous en grande personne, tranquillement, tranquille, ah ouais. Tranquillement, tranquille, ah ouais. Donc, quand tu marches avec quelqu'un qui ne t'apporte rien, qui ne fait que te descendre, tu te sépares, ah ouais. Pourquoi? Est-ce que l'amitié, c'est une prise en charge? Quand ça ne va pas, on est venu, chacun sait comment il est venu en Europe. Donc, tu ne peux pas me dire, comme un mariage, quand ça ne va pas, on se sépare. Je vois maman ministre, elle pleure sur tous les toits, entre parenthèses. Mais maman ministre, quand ça ne va pas, moi, nous tous, on a connu des déceptions. Moi, j'ai failli me mettre fin à mes jours à cause du bosseur. Mais attends, tu m'accuses dans ton mari, on dirait, je ne vis pas avec, c'est toi, il vit chez une autre femme, mais colle-moi la paix. Ton mari, pourquoi tu t'en veux? Tu t'en prends à moi, pourquoi? Tout simplement parce que ce mec est sorti avec moi avant toi. S'il y avait quelqu'un à s'en prendre, ce serait moi te demander, mais pourquoi tu viens épouser un mec? Mais quand une relation finit, c'est fini. Chacun continue son chemin. Ce mec t'a déjà dit un jour, je l'ai appelé pour dire, oh, écoute, j'ai envie de toi, viens, nanana, nanana. Non! Parce que j'ai eu un moment avec ces filles. La personne que j'ai réellement aimée dans ma vie, c'est quelqu'un que beaucoup de gens connaissent. C'est le catcheur. Vous êtes bien d'accord? Donc, arrêtez un peu. Tu ne peux pas pleurer dans toute ta vie. Mais le mariage existe. Le divorce aussi, on peut divorcer. Ma chérie, mais va divorcer. Attends, tu ne vas pas mettre fin à tes jours. Ouais, un homme t'a fait ça. Il y a des hommes qui ont fait 20 ans. Je reviens écoutez, hein, je suis fatiguée de watiser parce que je ne vais pas me mordre la langue parce que je vais vous faire plaisir à parler comme les blancs. Vous avez compris, non? Je ne peux pas commencer à me mordre la langue là. Je ne vais pas parler comme normal. Je suis désolée. Vous avez compris, je suis désolée. Je ne peux pas... Ouais. Attends, je peux mordre la langue le matin. Hein, je suis désolée. Je parle comme les noirs. Maman, le mariage existe, le divorce existe aussi. Maman, il y a les hommes ici dehors qui ont fait 25 ans de mariage. Et que hein, ça finit, chacun part dans son coin. Chacun part dans son coin. Il y a les hommes qui ont les grands-enfants. Ils se sont mariés 25 ans de mariage avec les enfants ingénieurs, les intellectuels. Mais quand ça ne va pas entre le couple, les enfants essaient même de recoller n'importe comment, ça ne donne pas. Ils se séparent. Toi, tu as fait 3 mois de mariage avec quelqu'un. Tu cries sur tous les toits comme si... Non, mais attends, arrêtons un peu. Vous encouragez quoi de dire que ouais, Asia de quoi? Oui, ça fait mal. C'est la première déception. Et c'est son premier amour. Avant ce gars-là, tu as déjà connu d'autres mecs dans ta vie, non? Non, sérieux, arrêtons un peu, dis donc. Non, sérieux, arrêtons. Toi, tu fais comme si c'est que le gars t'a tout pris. Comme si c'est que... Mais quand tu partais d'avoir épousé quelqu'un qui a 20 ans de moins que toi, tu t'attends à quoi? Voilà, tu t'attends à quoi? Tu épouses un homme qui a 20 ans de moins que toi, tu t'attends à quoi? Non, mais sérieux, soyons quand même logiques. Tu vas épouser ton petit frère. Tu t'attends à quoi? 3 mois de mariage, c'est fini. Tu t'en veux? Tu m'en veux? Tu m'en veux pourquoi? Arrête de m'en vouloir à ton mari. Il m'avait apaisé, mon ami. Il m'a dit, je vais trouver une femme flore, je vais l'épouser. J'ai dit, tu es sûr? Tu la connais depuis combien de temps? Il m'a dit, non, laisse comme ça. On épouse quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous parlez même de quoi là? Vous parlez tout le temps. Oui, je compatis pour toi. Maman, tu ne peux pas rencontrer un homme. On fait ça avec les blancs. Parce que l'Europe, c'est l'Europe. Tu peux rencontrer un blanc. Hein. 2 mois, mais vous mariez, ce n'est pas un problème. Mais tu ne vas pas me dire que hein, une fille noire qui rencontre une autre noire. 1 mois de relation. Seulement 1 mois de relation, elle programme le mariage. Vous me dites quoi là? Attends, vous voulez parler quand ils ne sont pas aveugles?
Et pourquoi quand tu viens parler de ce gars? Non, excusez-moi, hein, ce n'est pas le clash. Je défends les femmes mariées en détresse. C'est vrai. Je descends, c'est une femme mariée en détresse. Je comprends bien, mais il y a ces cas par cas. Tu es une femme mariée en détresse parce que tu as mis la nudité de ton mari dehors d'abord sur la toile. Quel que soit ce que tu peux avoir avec un homme. C'est pas tout, on met sur la toile. Excusez-moi, dites-moi un homme qui est, il va vous publier votre, ou bien une femme. Demain, vous êtes en quoi avec? Quand tu viens te plaindre sur les directs de ta copine, mais dis ce qui est vrai. Essaie de pour que les gens, dans la vie, hein, pour qu'on te dise la vérité, il faudra que toi-même, tu commences par dire ce qui est vrai. Hein? Ma chérie, je dis, moi-même, Fleur de Lille, hein, je ne vous manque pas. Je ne peux pas rencontrer un homme africain, un blanc encore au bout de deux semaines, vous pouvez vous marier. Mais un noir, tu ne peux pas rencontrer un noir, tu ne le connais ni son passé, ni son présent, ni son... Tu te maries au bout de un mois de relation. Reviens faire le direct, tu dis la vérité, maman ministre. Arrête de te plaindre, mais sincèrement, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que je vais en vouloir au mariage de Trouy? Hein? Vous pensez que c'est l'homme qui manque pour m'épouser? C'est parce que je ne peux pas me marier, parce qu'il faut se marier. Le mariage, ce n'est pas la concurrence. Le mariage n'est pas la concurrence. J'ai vu un mariage l'autre jour, j'ai dit que, hé, hey, maman, non, ils ont fait fort. J'ai aimé le mariage de Rosie Mimi. Le mariage, c'est quelque chose qui fait rêver. Quand tu regardes un mariage, ça te fait rêver. Tu te dis, même quand tu as un mariage, tu vois quand c'est bien organisé. Tu te dis, hé, hey, maman, si un jour je me marie, je vais faire comme ça. Ça ne veut pas dire que tu vas absolument te marier parce que non, on ne se marie pas comme ça. Je suis désolée. Non, arrêtez, on n'est plus à l'époque où tu te lèves. On se marie aujourd'hui avec quelqu'un parce que... Il peut te faire avancer. On n'épouse pas un homme parce qu'il est trop beau. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est trop belle. On épouse quelqu'un. Aujourd'hui, là, la vie, c'est la stratégie. On épouse quelqu'un qui t'amène devant. On se marie à quelqu'un aujourd'hui parce que tu réfléchis. Tu as vu que la personne peut avancer avec toi. On n'épouse plus quelqu'un parce qu'elle est trop belle. Parce que, maman, la vie, ce n'est plus comme ça. Demandez à qui vous voulez. On n'épouse plus une femme pour sa beauté ou bien un homme pour son beau regard. Parce qu'il est grand de taille, il fait 2 mètres, tu l'épouses, non. Aujourd'hui, on se marie parce que, hein, quand tu réfléchis, tu vois qu'il peut t'avancer. Parce que tu vois qu'avec lui, tu peux avancer. C'est comme ça. On n'épouse pas quelqu'un pour aller se balader, monter, descendre, pour montrer que oui, moi aussi, je suis marié, montrer à ses copines. Quelqu'un qui se marie pour le défi à ses copines, le mariage sera toujours un échec. Parce que dans ta tête, tu te maries déjà en disant que... Le mariage, c'est ce que je fais. Je me marie parce que je veux prouver aux gens que non. Il y a des personnes qui font le mariage ici seulement avec 50 personnes. Et le mariage est beau et le mariage dure. Vous avez entendu? Vous avez compris? Arrêtez de croire que, oui, comme tel est marié, vous allez aussi vous marier. Mais arrêtez. Toi, tu cherches au mariage d'abord. Est-ce que es-tu capable de tenir un mariage? Maman, parce que le mariage, c'est les hauts et les bas. Le mariage, c'est que tu attrapes même ton mari avec une famille. Tu ne dis pas aux gens, tu le couvres, tu caches, tu dors sur ça. Ton mari chie le caca, tu dors sur le caca de ton mari, tu caches que personne ne voit. D'accord? Donc ce n'est pas que tu es marié, dès que ton mari fait un petit, tu as déjà appelé tout le monde entier pour raconter. Est-ce qu'on raconte la vie de son mari? Hein? Vous parlez même de quoi là? Non, sérieux, apprenez à dire, vous-même que vous appelez pour encourager... Que raconte, vous me pouvez raconter ce que vos maris, ce que vous vivez dans vos ménages. Qui peut venir exposer ce qu'il vit dans son ménage? On n'expose pas son ménage. Je suis désolée. Quand ça ne va pas, on se sépare sans exposer l'autre. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été avec toi, ça peut aller avec l'autre. Vous pensez que ça en venant traiter quelqu'un de diabolique sur la toile que ce gars ne va pas se marier ou bien cette femme-là ne va pas se marier? Maman, mais ne dis pas que tu n'es pas une personne qui mérite le mariage. Hein. Que tu peux trouver quelqu'un qui va t'accepter ta façon de vivre. J'ai pris un exemple sans sabotage en disant tu ne peux pas être une femme mariée. Tu viens de te marier. Avant, tu traînais, tu montais, tu descendais dans les soirées. Tes copines venaient boire chez toi. Tes copines venaient faire ceci à tout moment. Ils restaient jusqu'à 3 heures du matin, ils dormaient chez toi. Ça, c'est quand tu es célibataire, tu fais ça. Tu ne peux pas dire que quand tu te maries, tu revis la même vie. Qu'est-ce qui prouve que tu es marié? Juste l'alliance. L'alliance, le mariage aussi, c'est le comportement dans la maison. Tu comprends? Tes mêmes amis que tu traînais avec, tu montais, tu dis, parce que tu es célibataire. Moi, Fleur de Lis, je suis sur la toile. Je monte et descends. Vous pensez que si aujourd'hui un homme m'épouse, vous allez toujours me voir, mais vous n'allez plus trop me voir.
Et je vais même changer ma façon de faire, mon comportement même. Parce que ça passe par là. Tu ne peux pas être que tu es une femme mariée. Tu continues à recevoir les gens chez toi beaucoup, beaucoup, à passer les journées nocturnes, à monter des sangs. Ma chérie, le mariage, c'est de s'occuper de son mari. Oui, mon frère. Allô? Oui. Oui. Oui, allô? Oui. Je descends. Monte, non? Oui, il faut monter, mon frère. Ok, merci. Ouais, je vais partir là. Je vais partir. Pardon, on va continuer une autre fois. Je disais que le mariage, hein. Maman, quand on se marie, tu prends la liste comme ça. Tu écris tout ce que tu faisais avant. Tu bats ce que tu ne vas plus faire. Maman, si tu ne peux pas écrire, tu donnes à quelqu'un qui dit que dis-moi mon comportement. La personne te dit que tu buvais trop. Bon, tu peux toujours boire, si c'est chez toi. Tu sortais trop. Tu traînais trop avec les telles filles. Tu faisais trop ceci. Tu faisais trop cela. Tu coches tout ce que tu ne vas plus faire. Tu commences à respecter. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement de parler. Arrêtons de nuire aux gens. Hein? Arrêtons de nuire aux gens. Oh, un homme m'a laissé. J'ai envie de mourir. T'as mangé les milliards. Et même si tu manges les milliards, la vie continue. Si tu meurs, il va toujours continuer sa vie. Hein? Et tu t'exposes sur la toile. Maman, une femme mariée ne s'expose pas sur la toile. Vous avez entendu? Si moi, je vivais avec quelqu'un, hein, vous pensez que ce qu'elle va être là tous les jours? Parce que je suis seule. Il n'y a rien qui m'empêche d'être là matin, midi, soir. Dites-moi que si j'ai même seulement même un copain, il va me dire que, écoute, tes histoires de Facebook là, je ne veux plus te voir tous les jours. Bien, tu changes ta stratégie, ta façon de faire. C'est normal. Depuis quand une femme mariée va être sur Facebook, en longueur de jour, tu parles, tu sabotes. L'autre jour, ce n'est pas toi qui faisais le sabot. Vous voyez comment les filles mentent. Le jour de la soirée de Céline Ladoyenne, tu es venue t'asseoir sur Facebook. Tu as parlé comment il est là avec toi, il t'a donné l'argent pour sortir. Pourquoi vous parlez, vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez à vous? Vivez vos vies réelles, arrêtez de mentir au monde pour vous faire voir. Nous tous, on a les cadavres dans le placard. Vous avez compris? On a tous une vie, on a tous les fausses choses. Mais chacun cache sur le toit qui couvre ce qu'il y a dans les maisons. Ne crois pas que comme tu viens pleurer sur la toile, tu racontes la vie de ton mari. Ne crois pas que ceux qui t'écoutent là non plus ne vivent pas la même chose. Mais seulement ils arrivent à faire ça fait plusieurs. Arrête, sors de là. Je veux partir là. Donc, je voulais aussi pour finir, vraiment, je n'ai même pas dit ce que j'avais envie de dire. Hein? Une femme doit avoir quelque chose dans la tête. Une femme mariée, tu viens, tu parles de ton mari sur la toile. Tu exposes son intimité. Tu parles de sa famille. C'est toi qui viens dire qu'il est couché avec toi. Vous partez à la soirée. C'est toi encore qui revient dire qu'il. Non, mais arrête un peu, sérieux, arrête. Tu buvais déjà depuis. Dis que tu as augmenté ta dose d'alcool. Parce que tu buvais déjà depuis. Ce n'est pas lui qui t'a fait boire. Tu buvais déjà depuis. Je connais les gars que tu es sorti avec qui sont casés, qui ont les deux enfants. Toi, tu me parles de quoi? Tu connais le gars qui habitait en haut de chez toi là-bas, non? Avec qui tu sortais? Je l'ai vu l'autre jour au tarot chez Marc-Clé. Il a deux enfants. Il est posé dans un coup. Bah, tu es incapable. Le mariage, ce n'est pas tout le monde, maman. C'est pas tout le monde. Il y a les hommes que quand ils me disent que non, Fleur, je ne peux pas rester au mariage. Mais je peux rester dans un mariage. Oui, parce que c'est une fille d'abord fidèle. Oui, ne jugez pas quelqu'un à l'apparence. Vous pensez qu'on écrit sur le visage de quelqu'un que toi, tu mérites le bon mariage. Non, c'est chacun qui pèse de son couple ce qu'il veut. Si tu as voulu exposer ton mariage, aucun homme ne peut accepter qu'on l'expose. Je suis désolée, même s'il t'aime comme quoi, aucun homme ne peut accepter qu'on l'expose dans la toile. Notre soeur là, notre soeur NK, si elle n'exposait pas Eto, c'est que peut-être ils sont toujours ensemble. Hein? Personne ne veut qu'on parle de lui, qu'on vient, on raconte des choses. Parce que partout, hein, il y a des moments que ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que tu vas t'élever, venir parler du gars, après tu es chérie, excuse-moi, ça veut dire quoi? Donc tout le temps, quand tu vis avec quelqu'un, tu t'exposes, tu ne peux pas continuer à marcher avec. Parce qu'une personne qui t'expose ne te veut pas du bien. Je suis désolée. Vous parlez de quoi? Quel homme ne trompe pas sa femme ici dehors? Non, dites-moi un peu. Non, mais je dis, hein, que ça soit blanc ou noir, dites-moi, les blancs, c'est les plus infidèles, mais ils savent faire la part des choses. Hein? Quel homme ne trompe pas sa femme? Quel homme ne drague pas? Hein? Non, dites-moi un peu. Quel homme ne drague pas? Même si ton mari soit avec tel, tu vas venir exposer qu'il soit avec tel. Moi, je traite le cas des voleuses de mari, mais ton cas n'est pas un cas de, on n'a pas volé ton mari, c'est toi qui as chassé ton mari. Je suis désolée. Tu as chassé ton mari. Ce n'est pas quelqu'un qui a volé. Il t'a laissé beaucoup. Il m'avait appelé un temps. Jusqu'à t'avais appelé pour te dire que mais arrête. Jusqu'à le temps là, tu mentais que tu étais enceinte.
Le gars t'a supplié comme ça, tu as dit que non, il part. Tu ne veux plus. Oh, ça a fait que ça. Parce que tu voulais qu'il conduise, que tes copines viennent, ils dorment. Excusez-moi, vous pouvez vous marier avec quelqu'un, la personne dort au salon. Vous dormez dans la chambre avec vos copines. Vous parlez de quoi? Il y a les hommes qui vivent les esclavages, l'esclavage dans les maisons des filles ici. Donc, arrêtons un peu, dis donc. Tu parles de quoi même? La façon que tu le traitais, si tu l'avais donné même les papiers. Mais, comme Dieu s'est fait ces choses, c'est toi qui es sorti sans papier dedans. Est-ce que tu as dit aux gens que tu n'as jamais dit au gars que tu n'avais pas de papier? Que tu marchais avec le faux way French? Tu n'as pas dit. Or, quand tu aimes quelqu'un, que la personne veut déjà te marier, ce que tu fais, même si tu as tué dans ta vie, tu dis à ton mari que, chérie, je t'aime, voilà ma vie. J'ai vendu le piment. Peut-être je vends toujours. J'ai vendu le piment parce que j'ai vendu l'onkou, parce que j'ai fait la prison. Tu dis à ton mari tout pour que quand il entend dehors, ça ne le surprenne pas. N'attends pas que c'est quelqu'un d'autre qui vient dire à ton mari, oh, elle a fait la prison. Oh, quelqu'un t'épouse et tous les jours, il découvre ta vie, maman. Vous parlez de quoi? Apprenez à connaître quelqu'un avant d'aller vous marier avec. Tu ne peux pas me dire qu'un homme t'épouse et tous les jours on lui dit que ah, tu sais quoi, la fille là, elle était avec, elle a fait ceci. Elle était en prison, elle a fait ceci, elle faisait d'abord tes choses. Non, mais quand tu épouses quelqu'un, l'homme là, dis-lui la vérité. Un homme peut mentir, il y a les hommes qui mentent. Il n'est pas, comme je dis toujours, l'infidélité féminine est plus dangereuse que l'infidélité masculine. Arrêtons de dire que c'est l'égalité, ce n'est pas encore l'égalité. Un homme peut t'épouser, il te dit que chérie, j'ai 3 enfants dehors. Mais il a 5, il te dit qu'il a 3. S'il te dit qu'il a 3, il a peur que s'il te dit qu'il a 5, tu vas dire que non, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il diminue. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il te dira que chérie, comme tu vois, surtout un enfant que tu fais avant de connaître la fille. Il y a les hommes qui sont là dans le ménage, ils ont les enfants dehors, ils ne peuvent pas dire. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas sa femme, c'est parce qu'ils protègent son mariage. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter. Il va dire, oui, tu m'as rencontré, tu avais là 3. Pendant que je suis mariée avec toi, je te donne la nuit, je te donne le jour, mais je t'ai même fait les enfants, mais tu m'as encore trompé, tu m'as fait 3 enfants sur le dos. C'est pour protéger le mariage que l'homme ne dit pas. Hein? Il y a des hommes qui ne disent pas parce que c'est pour protéger leur mariage, mais ils mettent dans leur testament. Ou bien sa mère, au coin, il ne dit même pas à ses soeurs, sauf sa mère qui connaît, parce qu'une maman garde le secret de son enfant. Il y a les soeurs là qui sont que les belles soeurs là que dès qu'on les corrompt, tu les donnes un petit bonbon comme ça, elle trahit toutes les choses de son frère. Une vraie belle soeur protège son frère. Tu ne peux pas vendre ton frère au profit de la belle soeur. Non, personne ne peut faire ça. Vous avez compris? Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. La deuxième chose que je voulais surtout dire à la team PDG, que restons soudés. Ce qui se passe entre la reine galloise et Nivakine et d'autres faux profits, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais dit à quelqu'un sur Facebook, choisis, non. La reine galloise, c'est une personne que je respecte. Qui est sur la toile, elle a son concept, le menjumba. Ça nous dérange en quoi? En rien du tout. Elle fait son menjumba. Elle est avec qui elle veut. D'accord? On ne peut pas lui reprocher que non. Non, je ne suis pas d'accord. Et surtout, il y a des choses que, quand ça ne va pas, qui aurait pu la contacter, inbox, vous lui dites que non. Tu sais quoi? En ce moment, c'est comme ça. Il discute. Pas venir comme ça faire les vidéos sur elle. Moi, ça m'a fait très mal. Elle a été choquée, elle m'a appelée, pleurait. Moi, j'étais à la banque. Ça m'a choquée. J'ai dit, mon Dieu, je suis occupée. Comment je vais gérer ça? Vraiment, ça ne se fait pas. Parce que quand c'est comme ça, c'est pour ouvrir la porte aux détracteurs. Donc, laissons l'affaire là comme ça, Nivaki. Laisse l'affaire là comme ça. J'ai toujours dit à vous tous que non au clash. J'ai refusé. J'ai dit à Mini Minor, j'ai dit à toi, j'ai dit à tous ceux qui viennent à la team PDG que non, n'entrez pas dans le clash. Sauf si quelqu'un vous provoque, vous répondez. Mais ce n'est pas que non, j'ai dit non. Hein? Il faut, tu sais, quelqu'un peut même être avec les ennemis et savoir faire la part des choses. Et savoir et connaître sa place. C'est pas parce que Nivakine, elle est bien, Nivakine est bien amie avec Lolo, non? C'est son ami, il se parle très bien. Mais je n'ai jamais dit à Nivakine un jour dans ma vie qu'elle ne parle plus avec Lolo. Je lui avais dit seulement, il faut faire la part des choses. Soyez ensemble, mais pas mon nom dans vos bouches. C'est tout. Il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas que oui, machin, tout ça. Non, parce que vous êtes des profils réels. Vous êtes... On sonne, je vais ouvrir. Oui, mon frère. Donc, comme je disais là, non, il faut que ça s'arrête. Pas de désordre dans la team, pardon. Pas de désordre. Ce n'est pas le moment.
Pour le moment, c'est de parler de la team de Radiane Mélanine. Il faut savoir faire la part des choses. Mini Minon est amie avec, comment on l'appelle, Simon de Londres, non? Je n'ai jamais dit à Mini Minon, ne parle pas avec Simon de Londres. Non, je ne suis pas comme ça. Je suis fair play. Ça dit que je suis une grande fille. La grandeur, c'est moi. Je ne suis pas dans le aide-moi des tessos, comme tu parles avec moi. Je n'ai jamais, si j'ai déjà dit à quelqu'un un jour parmi vous tous, que la personne vient faire la vidéo pour dire que Flore, tu m'avais appelé, tu as dit que comme je parle avec tel que je ne parle plus avec cette personne. Parce que je suis une grande fille. Chacun doit, nous sommes tous des personnes responsables. Il n'y a personne qui est mal mineur parmi nous. Chacun doit savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, si Mini Minon parle avec l'autre, c'est son ami, se connaissent depuis le Maroc. Mais tant que mon nom ne tourne pas dans leurs choses, c'est le plus important. Nivakin, Lolo, c'est son ami. Je n'ai jamais dit un jour à Nivakin, oui, tu as parlé quoi avec Lolo? Parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas. Il connaît comment, il connaît sa position. Il doit faire la part des choses. Jamais de la vie, je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas dire à la reine galloise, non, ne fais pas ça parce que. Non, pourquoi? Nous sommes tous, vous êtes. Hein, je dis que vous êtes libres. Chacun est libre. Ce n'est pas une secte, la team pédégiste. Ce n'est pas une secte. On parle, non, mon frère. Viens dire bonjour à la team, non. Maman, tu es belle jusqu'à. Merci, mon frère. C'est ce que tu veux. Oui. Coucou à vous. Mon sauveur, non. Coucou, la team. Quand ça m'arrive comme ça, je vais appeler qui? Mon voisin le plus proche. Il n'est même pas proche, mais c'est celui que quand il dit que je crie, que oulilili, ça ne va pas, il est déjà là. Hey, tu sais que c'est toujours ouais, là. Mon Dieu. Dieu m'a donné un frère. Sans vous mentir, hein. J'ai toujours dit la famille, ce n'est pas né du même ventre ou quoi que ce soit. Ouais, qui m'appelle du Cameroun. Allô? Allô? Tu manges pas ces céréales. Allô? Allô? Oh. Donc, comme je disais là, chacun doit savoir faire la part des choses. Donc, il faut que ça s'arrête, pardon. Nivakin, il faut que tu laisses comme ça, s'il te plaît. Et la reine galloise, ne prend plus tout au premier degré. Vous avez faux profil aussi. Ne laissez pas la porte comme ça aux détracteurs, que les gens entrent pour pouvoir profiter, dire n'importe quoi. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas dans les histoires que aide-moi à détester tel. Comme tellement fait, si je ne veux pas que tu... Non, je dis toujours que fais attention. Même quand j'étais amie avec Extravagancia, je lui disais toujours que... Maman, pardon, fais attention aux gens, telle personne. Fais attention à telle personne. Je n'ai jamais dit ne parle pas avec elle. Non, hein. Je n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Et vous demandez, on va vous dire. Je ne peux jamais appeler quelqu'un. Vous dites que oui, comme tu parles avec elle, je ne parle pas avec toi. Non. Le problème, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses. Quand tu es ami avec l'ennemi de ton ami, il ne faut pas que le nom de ton ami passe dans, dans les conversations. Je peux être... ami avec ton ennemi, mais je ne parle jamais de toi avec ton... C'est comme ça qu'on arrête le Congo, ça. Parce que si je suis avec Dieu éternel, c'est mon frère, c'est mon ami. Il a quelqu'un qui ne parle pas avec. Je ne veux pas le dire à Dieu éternel, moi aussi je ne parle plus avec la personne. Ce n'est pas fair play, ce n'est pas grand. Quelqu'un avec qui il parlait hier, aujourd'hui subitement, il ne parle plus avec... Et je vois la personne, je le salue pas aussi. C'est un peu c'est la gaminerie, quoi. Ça ne se fait pas. Je suis obligé de saluer la personne, ben oui. C'est pas parce que Dieu était ami avec elle, il ne parle plus avec la personne, qu'il veut voir la personne me salue, je ne comprends pas. Non, je ne réponds pas, ça ne se fait pas. Je vais répondre, mais avec beaucoup de précautions. Voilà. C'est-à-dire que parfois tu ne parles pas avec quelqu'un, mais ton ennemi demande toujours de tes nouvelles à la personne qui parle avec toi. Oui, est-ce que tu as les nouvelles? Flore va bien. La personne sait très bien. La personne ne parle pas avec Flore, mais comme il sait que toi tu parles avec moi, il va venir te demander que. Oui, comment va Flore et tout? Elle va bien, point bas. Tu coupes, tu n'es pas là pour donner le... Parce que, hein, c'est comme ça, parce que la personne cherche que tu parles pour qu'il aille dire que oui, je sais pas. C'est comme ça, il faut savoir couper les ragots. Les ragots se coupent tout court. Tu ne parles pas de... Donc, quand tu sais qu'une personne ne parle pas avec une personne, tu évites même le nom de la... Donc, quand tu avais la personne, l'ennemi de ton ami là, tu ne parles jamais. Tu évites quand elle va bien. J'ai vu que tu dis que ah, si tu as vu ça, c'est comme ça. Non, tu ne, non pas de discours. Vous voyez, non. Zéro discours. Mon frère, il y a les mangues là que j'ai. J'ai pris tous les papiers de la voiture. Oui. J'ai pris tout. J'ai trouvé la carte. Je vais chercher. Bon.
On fait comme ça, bisous, ouais, gros bisous à tout le monde, dont la reine galloise et Nivakin. Je vous aime. Je vous aime. Vraiment, doucement, doucement. Doucement, les doucement, vraiment. Laissez comme ça. Je vous aime. Donc, la team reste soudée. Hein? La reine met travail beaucoup. Et voilà, quoi, tout va bien. Plus de clash, plus de... Vraiment, pas entre vous, quoi. Vous êtes une famille. La famille, c'est pas quelqu'un que vous êtes né du même ventre. Quelqu'un, tu peux rencontrer quelqu'un, généralement en Europe, ici dehors, les inconnus sont même plus ta famille que ta propre famille. Que la vraie famille. Ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'il y a des personnes que c'est ta propre famille, là, les cousines de sang. Mais l'inconnu est plus proche de toi que cette personne. La famille n'est pas quelqu'un que vous êtes sorti du même ventre ou bien de la même maison. Et c'est ici en Europe qu'on voit le vrai visage des gens. Si j'ai un problème, j'appelle Dieu éternel, je dis que Dieu éternel. Comme tu vois, est-ce que je n'ai pas la famille? J'ai une famille immense, mais moi-même, j'ai décidé de recadrer que... Ah, duplex. Allô, chérie? Allô? 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 Il y a payé son rabaton. Donc, comme j'étais en train de dire que c'est un mari qui s'est trompé, il appelle sur mon portable. Donc, comme j'étais en train de dire, la famille n'est pas que vous êtes né du même ventre. Tu peux rencontrer un inconnu dans ta vie et la personne devient plus que ta famille. Dieu éternel, comme vous voyez là, est plus qu'un frère. Parce que ce qu'il fait pour moi, même un frère ne peut pas faire ça. Un frère pour moi ne peut jamais faire ça. Vous voyez, le matin à 6h, je le réveille. Que mon frère, pardon, accompagne-moi. On a enlevé ma voiture. On est en train de partir. Il ne m'a jamais dit un jour que mets-moi le carburant, mets-moi le ceci, mets-moi le cela, mets-moi. Il ne me demande pas ça. Et pourtant, on n'est pas du même village. On n'est pas du même quartier. On s'est connus en Europe. On s'est connus en Europe ici. Sur Facebook, vous voyez des gens bien comme ça. Dieu éternel, même si j'ai le totem quelque part, je lui dis que mon frère, voilà mon totem là-bas. On n'a même pas salué Kalamongo depuis. Mon frère, il n'a pas salué Kalamongo. Ils n'ont pas salué Kalamongo. Il faut saluer Kalamongo, non. Donc, c'est mon ami, mon frère. C'est pas parce que tu as les déceptions que tu vas dire que non, tel aussi va, on va. Non. Parce que si tu commences à te méfier de tout le monde, tu n'auras plus de vie. Bonjour, à saluer Kalamongo un peu, non? On n'a pas salué Kalamongo depuis. Il faut le saluer. Il est là. Kalamongo vous aime aussi, hein? Kalamongo vous aime aussi. Mon frère, il faut qu'on dorme ici aujourd'hui. Ah bon? Parce que mon train demain, c'est à 7h. Ah ouais, faut pour Londres là. Ouais, faut que ou bien je réserve, parce que si je réserve le taxi à mon frère, ça va coûter. Ouais. Donc, voilà, je vous aime. Bisous. Bye, non pas là. Trop de choses à faire. Je vais me faire les ongles. Je n'ai pas plus. Bye bye. Okay, les fans alimentent. Oui, que les fans arrêtent la team d'alimenter cette histoire de la galoise. Oubliez. Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça? Tous ceux qui font les directs pour parler de ça, je vous dis non. Si je suis votre patronne, si je suis la reine mère, si je suis la reine des abeilles, arrêtez de faire les directs pour parler de Nivakin la galoise. Arrêtez, c'est bon là. Je refuse. On est bien d'accord. Je dis que je dis non. Vous les fans là, je dis non. Le problème est fini. Merci. Bonne journée. Est-ce que vous avez compris, hein? Mais franchement, attendez, sérieux, quand tu es chef d'entreprise, c'est pas évident. Chef d'entreprise, attendez. C'est devenu chef d'entreprise, quoi. Je sais plus. I don't get time. On a pensé qu'on a des goûts comme Bikin Torno, c'est nos sentiers. Ou d'un ou deux pour 5-10 produits. Radia Mélanie, la dame ou gosse la na. On a one down nos sentiers où on a des doux. Ou fina ou nos filles top team ou goûts. Mais on a livre. On a one nos sentiers c'est gay.
Ou dit-on about the product? Ou dit-on about the one? Ou dit-on now? On a donc yami, non? On a dit, ou quoi, on a dit, do anything, anything. If on a not get something for do, on a go sleep. On a do, on a know what way on a go do. Vous connaissez votre travail à faire. Je n'ai pas besoin de dire encore que travail. Vous connaissez déjà. Vous devez parler de radiant mélanine. Toujours mettre le lien du site. Toujours commander. Chaque fan doit avoir ce produit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fan de la reine mère. Un produit sort comme ça. Même si c'est pour acheter pour faire la décoration dans votre salle de bain, vous devez avoir ce produit chez vous. On est bien d'accord. Parce que fan aussi, c'est motivé. Sa star. Hein? Quand on est fan de quelqu'un aussi, on motive sa star. Et je remercie tous ceux qui me motivent, tous ceux qui m'encouragent, les encouragements. J'attends de vos encouragements. Arrêtons. N'attendons pas seulement le clash, elle va venir parler. Non, je ne suis plus dans ça. C'est comme ça qu'on est top. Je ne suis plus dans le clash. Quand je vais parler de mes produits, je donne les conseils, point barre. Même si c'est qu'on m'attaque, oh, je m'en fiche. Je suis une grande fille. Merci. Bisous. I love Wana. Les produits en Côte d'Ivoire? Non, pas encore. Mais s'il y a quelqu'un qui veut représenter les produits en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Il contacte Dieu éternel ou bien mon communicateur. Merci. Bonne journée. Je vous aime. Bye bye. On fait comme ça. Cancel. Cancel veut dire qu'on arrête, mon frère. Je sais, mais maman. Cancel, ok. Hein?